Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et en plus, une vidéo assez spéciale parce que malheureusement pour vous les abonnés, il va falloir que vous soyez présents en commentaire. J'ai une veste ici présente, mais je connais pas le nom réel et j'arrive pas à la retrouver sur internet. Alors à moins que ce soit un produit qui a été soldé, je sais pas, parce qu'en fait elle appartient à ma soeur pour tout vous résumer. Et je vous la présente quand même parce que elle est plutôt lourde quand même, hein, je vais pas vous mentir. Et tout simplement, j'arrive pas à la retrouver et j'aimerais bien avoir les références et tout ça pour que vous puissiez la retrouver après si c'est soldé ou si c'est pas soldé. Même si c'est pas soldé, si vous aimez et que vous voulez l'acheter, voilà, au moins que vous ayez une référence ou un livre. Bon, cette veste, la voici, c'est une veste Fila tout simplement. Elle est basique, je vais pas vous mentir qu'elle est basique. Mais le basique, comme je vous l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, ça peut tout changer. Le basique, ça peut être basique simple, ok, pas de problème, mais ça reste, ça peut être aussi très très stylé. Enfin, y a pas besoin d'être extravagant pour être stylé. Je veux dire, tu peux mettre un petit truc comme ça, hop, avec un petit jean, c'est classe. Tu passes crème au tiers, tu vois. Donc franchement, c'est une belle petite veste. En plus, elle me va. C'est du S et elle me va. Donc, je vais vous montrer. Hop, déjà ouverte. Et forcément, je suis pas habillé pour non plus, mais c'est pas grave. Là, c'est vraiment une vidéo un peu, on va dire, exceptionnelle parce que c'est pas, ça fait pas partie de ma collection à moi personnelle. C'est celle de ma soeur. Donc voilà. Juste pour vous faire le petit tour. Parce qu'il n'y aura pas de OOTD aujourd'hui. Je ne suis pas en capacité physique de vous faire un OOTD aujourd'hui. Malheureusement, mais de toute façon, il n'y en a pas besoin. Hein. Vous avez juste à voir la veste. Vous pouvez voir que c'est de ce coloris-là. Ça passe partout, ça va avec tout. Donc, il n'y a aucun problème. On ne va pas se prendre la tête. On va directement passer au détail qui fait toute la veste. Déjà, pour la fermeture, c'est assez spécial quand même, hein. c'est pas comme d'habitude une seule petite languette, voilà, c'est plutôt stylé, ça change. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça change, voilà, ça permet de, tu prends, tu hop, tu peux, bon. Faut faire attention parce que ça, c'est ce genre de veste là peuvent coûter très cher et être très très fragile, hein. Comme on peut voir à la matière, je crois que c'est du polyesterne, ou je sais pas trop quoi d'autres comme truc, mais ça m'a pas l'air du tout ça m'a l'air très fragile, pour pas vous mentir, ça m'a l'air très fragile. Donc après, il y a les petites languettes de devant qui sont vraiment sympatoches, avec voilà, le petit logo Fila, pareil aussi sur ça, voilà. Il y a aussi le petit logo Fila ici sur le devant aussi, bon, le logo Fila, ils font comme dans toutes les vestes et toutes les marques, ils démarquent ça au milieu pour que ça fasse style, nanani, nanana, enfin bref. Et derrière, il y a le petit Fila aussi ici. Donc ça, vous voyez que c'est des petits détails aussi qui font que je sais pas trop à quoi ça sert. C'est des rajouts qu'ils mettent maintenant pour les vestes, pour que ça soit plus stylé, pour que ça ressemble plus à des suites maintenant. En fait, je sais pas, j'ai l'impression plus qu'ils... Maintenant, les vestes, ils veulent que ce soit des vestes suites. J'ai l'impression, je sais pas trop, des suites vestes. Je sais pas, ils essaient d'augmenter des choses, je sais pas trop, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai besoin de vous pour la retrouver, il me faut les références de cette veste. Je vais l'essayer entièrement sur moi, pour vous montrer un peu ce que ça donne sur quelqu'un. Fermé, bien évidemment. Comme ça, vous verrez un peu ce que ça donne du S sur moi qui fait 1m69 et qui fait à peu près, je veux dire, 70 kg. Voilà, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elle me va vraiment juste pile poil. C'est vraiment, fallait pas du XS ou 1 cm de moins. Parce que là, je peux vous dire que je monte les bras, j'ai tout mon bidou qui se monte. Hein. Toute la partie blanche, ça va être... ça va être mon bidou. Donc voilà ce que ça donne sur moi. Imaginez sur une fille, parce que bon, normalement c'est pour fille. Enfin, je sais pas si Fila ils font des vestes mix. Je pense que oui, de toute façon, tout le monde porte tant que c'est de la veste et puis que ça n'est pas, c'est pas rose pétant, tu me diras. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Bah rien du tout en fait. Voilà, c'est tout simple, tout simple.
basique, simple, mais efficace. Moi, c'est une veste, par exemple, bah, j'aimerais vraiment la porter, sincèrement. C'est une veste qui passe partout, qui passe avec tout, qui passe avec tous les coloris, tout ça. Elle n'est pas désagréable quand tu la portes. Ce qui est un peu chiant, c'est le bruit. Ça, ce bruit-là, sur les vestes maintenant qu'ils font, ou même sur les pulls qu'ils font, pour des matières maintenant un peu, voilà, où ça fait du bruit, c'est chiant. Moi, je déteste ça, mais après, c'est juste un petit détail perso. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes présents, mes chers abonnés, mes 2000 et quelques abonnés, rappelez-vous que vous êtes plus de 2000 et nous 150. N'hésitez pas à me donner la référence de cette veste. Je pense que vous n'allez pas du tout avoir des difficultés à la trouver parce qu'il y en a qui sont très très grands connaisseurs sur certaines marques, dont la Fila. Ça plaît énormément en ce moment, Fila. Je sais pas pourquoi. Moi perso, c'est pas ma marque préférée en ce moment, mais voilà, ça passe. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Je sais que normalement dans une semaine ou deux c'est la reprise. Et bah, je vous souhaite bon courage. Et surtout, restez motivés, souriants. Et croquez la vie à pleines dents. Peace, mais pas sur moi. Pouh.